J'aurais fait quand même. Comme Priscilla Majani. J'aurais fait le choix de flanquer en l'air ma prestigieuse carrière pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de tout perdre et de pulvériser mon existence sociale pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de partir en clandestinité, en cavale, pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix d'être traquée avec mon enfant sur la planète entière pour le sauver. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de laisser derrière moi tous mes amis, tous mes proches, ma famille, pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de préférer faire des ménages pour survivre en clandestinité, pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix d'accepter d'être sali, calomnié par les écrasantes campagnes des médias traditionnels pro-pédocriminels pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de me jeter dans l'eau glacée de l'inconnu total pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de risquer des années de prison, l'internement psychiatrique et même la camisole chimique pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix d'assumer mes responsabilités sacrées de maman en me prenant en main, seule contre tous, pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de ne pas trahir mon enfant en me soumettant au système diabolique, pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de tenter l'impossible pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de me rebeller pour sauver mon enfant. Comme Priscilla Majani, j'aurais fait le choix de pas seulement défendre mon enfant, mais de le sauver.